and now we're taking its performance to the next level. This is the new, even more amazing iPad Air. Je suis un grand fan du nouvel iPad Air d'Apple. Je pensais que l'iPad Air 4 était l'une des meilleures tablettes du marché, mais ce nouveau modèle 2022 est un cran au-dessus. Cependant, ce n'est pas une révolution. Apple a conservé la forme et la fonction de base de l'itération précédente. Et en termes d'utilisation au quotidien, les changements peuvent sembler subtils. Mais avec la puce M qui alimente cette cinquième itération de l'iPad Air marque une avancée notable. Dans cette vidéo de l'iPad Air 2022, je vais passer en revue ce qui fait de l'iPad Air l'une de mes tablettes préférées et pourquoi c'est maintenant l'une des meilleures tablettes que vous pouvez acheter. Je vais aussi le comparer à son prédécesseur et à l'iPad Pro pour voir comment elle se mesure. L'iPad Air 5 est sorti le 18 mars avec un prix de départ de 699€ pour la configuration 64Go avec Wi-Fi et il est disponible dans un choix de 5 couleurs, bleu, rose, violet, starlight et gris sidéral. Vous pouvez payer 869€ pour obtenir un modèle Wi-Fi avec 256Go ou payer le même prix pour un modèle 64Go avec Wi-Fi et connectivité cellulaire 5G. Il n'y a pas de hausse de prix de la part d'Apple cette année, quand le nouvel iPad Air coûte le même prix que le modèle 2020 lors de ce lancement. L'iPad Pro 11 pouces commence à 899€ et pour 1099€, vous pouvez en acheter un avec 256Go de stockage. J'aime bien le design de l'iPad Air 4, donc je suis content qu'Apple ne l'ait pas changé pour le dernier modèle. La tablette est fidèle à son nom Air en étant super léger, sans parler de l'extrême portabilité. Avec le Magic Keyboard, il pèse un peu plus d'une livre. L'iPad Air 5 dispose d'un écran liquide Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2360x1640 pixels, ce qui est identique à l'iPad Air 4. L'affichage de l'ancien modèle est impressionnant, car il offre une qualité d'image nette sur un écran relativement petit. La seule critique mineure était que l'écran aurait pu être un peu plus lumineux. Cependant, le nouvel iPad Air est plus lumineux que son homologue de dernière génération, qui a atteint 440 nits de luminosité. Le nouvel iPad Air intègre la puce M, ce qui en fait la deuxième tablette Apple à arborer la puissante puce de l'entreprise après l'iPad Pro 2021. Cette injection M est la principale chose qui distingue le nouvel iPad Air du modèle précédent. Comme nous l'avons vu avec les iPad Pro 2021, la puce M peut donner à un iPad une amélioration remarquable des performances et de l'efficacité énergétique. Mais quelle différence la puce M fait-elle de l'iPad Air 5? Vous pouvez ouvrir 15 onglets différents de Google Chrome et lancer Netflix en Picture-in-Picture et voir l'iPad Air 5 continuer sans s'essouffler. Vous pouvez également lancer Genshin Impact et voir l'iPad maintenir une fréquence d'image constante. Le nouvel iPad Air arbore une caméra frontale de 12 mégapixels, soit 5 de plus que le modèle 2020. Non seulement vous aurez fière allure dans les prises de selfies, mais vous apparaîtrez également sur votre meilleur jour lors des appels vidéo. La caméra OIA de 12 mégapixels prend également des photos de qualité. Étant donné que ce nouvel iPad dispose d'une caméra frontale ultra grand angle et d'une puce M, il prend en charge la fonction Center Stage d'Apple, qui n'est disponible que sur les iPad Pro 2021, l'iPad Mini et l'iPad 2021, ainsi que sur le nouveau Apple Studio Display avec sa puce A13 bionique. C'est une bonne nouvelle si vous aimez vous déplacer tout en passant des appels vidéo, car Center Stage recadre et zoome automatiquement pour vous garder centré dans le cadre lorsque vous vous déplacez devant la tablette. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.